need is your love, oh baby. So baby, don't dodge, just give me that, oh baby. All I ever need is your heart, oh. So give me that, oh girl, let me back, oh. Cause that is all I need, oh be the one. Salut tout le monde, de retour sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais filmer une vidéo très brève, très simple. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire YouTube, pourquoi je fais YouTube, qu'est-ce qui m'a amené là, toutes ces raisons là. Sur ce, n'hésitez surtout pas à laisser des thumbs up, liker, partager, commenter la vidéo. Et sur ce, on va passer directement à la vidéo. Alors, YouTube. Il y a de cela environ peut-être 3 ans, 2-3 ans, mais je pense 3 ans environ, j'ai commencé à regarder, ben, en fait quand j'étais jeune, j'écoutais vraiment beaucoup la télé, ensuite j'ai arrêté, je commençais à écouter plus des séries sur Netflix, puis j'ai juste su que Netflix c'était pas mon truc, la télé c'était pas mon truc, donc j'ai commencé à checker des vidéos en ligne. J'ai checké beaucoup des vlogs, j'ai commencé à checker des youtubeurs, j'ai commencé un peu avec Nikki et Jamie. Sûrement beaucoup de gens les connaissent. Donc j'ai commencé à les regarder eux, j'ai trouvé vraiment cute. Donc j'ai commencé à regarder plus de youtubeurs, à m'abonner. Donc je faisais juste ça, genre checker des vidéos sur YouTube, checker des vlogs, des pranks, des challenges, tout ce genre de vidéos là en fait. C'est ça qui m'intéressait. Et il y a là, ça 3 ans environ que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Puis j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement, comme c'était rendu un peu comme une addiction parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce que je fais, genre je rentre à la maison, ma télévision c'est genre YouTube, je check des vidéos sur YouTube à chaque jour, YouTube c'est comme une télé pour moi. J'ai commencé à checker plus que ça, j'ai commencé à checker des filles qui faisaient des cheveux, tout ce qui est beauté, maquillage, vêtements, style et tout, donc j'ai vraiment plus commencé à regarder ça et mon choix était plus diversifié sur YouTube de ce que je regardais. Puis j'ai tellement juste aimé ça que je me suis dit, hey, pourquoi pas ouvrir mon propre channel, ma propre chaîne YouTube, déposer un content que moi je veux, que moi je décide. Je peux faire un mélange de tout. Je peux faire un mélange des youtubeurs que j'adorais checker au départ, qui est les couple channels, les pranks, les challenges et tout. Et je peux faire un autre mélange avec les beauty gurus, tout ce qui est beauté, make-up, cheveux. Je capote, c'est tout ce que j'aime honnêtement. Donc j'ai décidé de faire une combinaison des deux et d'ouvrir ma propre chaîne. Donc j'ai décidé de faire un mélange des deux et d'ouvrir ma propre chaîne. Et me voilà aujourd'hui. J'ai dépassé les 1K abonnés, donc je vous remercie beaucoup. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est ça, en fait, c'est un peu comme une passion, un peu comme un passe-temps. Et moi, je suis vraiment une fille, genre, fofolle dans un sens. Donc, je peux mettre aussi des pranks de moi qui fais la fofolle et tout ça, montrer la vraie moi, ma vraie personnalité. C'est vraiment une très belle opportunité pour moi de faire YouTube. Et aussi, il y a tellement d'avantages qui viennent avec ça. Il y a des compagnies qui peuvent te contacter par ton email, ils peuvent vouloir te donner des promotions. Ils peuvent t'envoyer des produits gratuits, des vêtements gratuits, du maquillage gratuit, des cheveux gratuits, juste parce que tu promotes pour eux. C'est comme devenu un business thing. Donc au début, ça commence avec plus de plaisir, de l'amusement, parce que si t'aimes pas ça, honnêtement, tu pourras pas faire ça, tu peux juste pas faire ça, c'est pas pour toi, parce que ça prend tellement d'efforts, tellement de travail. Toutes les youtubeuses que je suis, je les respecte et honnêtement, props à eux, surtout ceux qui sont daily vlogging ou daily post vidéo, je sais pas. Parce que c'est tellement du travail, edit, c'est long. Des fois, t'as des problèmes techniques, genre ta vidéo elle clenche, puis t'es obligé de tout recommencer, c'est tellement frustrant. Pour de vrai, faut savoir tenir le coup, c'est pas facile, faut être très patient. Donc, moi j'ai eu la patience parce qu'en fait, j'aimais vraiment ça faire ça, donc ça me dérangeait pas. Je le faisais pour le plaisir. Et après, comme j'ai dit, ça devient vraiment un business thing. Donc, tu veux contacter avec, des compagnies, faire affaire avec eux, et tout ça se transforme en revenu en fait. Tu fais de l'argent avec ça, tu fais de l'argent aussi non seulement avec ta chaîne YouTube, donc c'est intéressant. Mais ça, ça doit être une raison après le plaisir, parce que le plaisir vient toujours en premier. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben, ça ne sert à rien de le faire. Ça, c'est un avantage de plus que, en fait, que YouTube offre. Après, je dis pas que c'est pour ça que je fais YouTube. Moi, à la base, c'était vraiment juste pour le plaisir. Mais je dis juste les avantages qui viennent derrière tout ça, en fait. Si tu es consistant, si tu continues. Moi, personnellement, je prévois pas arrêter d'ici tôt parce que j'aime vraiment ça faire ça. Au début, j'ai commencé avec rien. J'avais pas de caméra, j'avais pas de lumière, j'avais pas de background, j'avais rien. J'ai commencé avec...
J'ai commencé avec une caméra Nikon que j'avais parce que quand j'étais jeune, je faisais de la photographie. Genre, je capotais sur ça, j'ai toujours capoté sur la photographie. Donc, je m'étais acheté une caméra qui était de la marque Nikon. Cette caméra-là, elle était bonne pour les photos, mais pas pour les vidéos parce qu'en fait, moi, je voulais une caméra qui va me permettre de me voir comme une petite. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'avais besoin de ça et tout, donc j'ai vendu ma caméra à Nikon et j'ai acheté une Canon, celle avec laquelle j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube. C'est avec ça vraiment que je me suis lancée, mais honnêtement quand tu commences t'as tellement rien de besoin de sérieux, t'as besoin juste d'un téléphone intelligent avec lequel tu vas mieux pouvoir filmer puis poster, qui va pas trop te compliquer. T'as même pas besoin de lumière, la lumière du soleil c'est la meilleure. Un ordi pour edit, puis c'est vraiment tout pour commencer, t'as pas besoin de grand chose. Après moi, j'ai décidé d'y aller vite sur les rails du train, j'ai décidé de tout acheter dès le début, puis me lancer. En fait, ça c'est ma manière de marcher. Donc moi je dis, c'est vraiment une belle opportunité, c'est un peu tout ça qui m'a amené à ouvrir ma propre chaîne YouTube, et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi... En fait, j'aime ça, donner des conseils, aider les gens, montrer des tricks que les gens connaissent pas, que ils peuvent voir ma vidéo et faire comme « Hey, ça va m'aider pour la vie de tous les jours, on sait jamais, tu sais jamais qui tu peux aider. » Donc, c'est ça en fait, moi c'est un peu, ça rejoint un peu mes qualités, ce que j'aime faire et tout, donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire mon channel. Ça sera tout pour cette vidéo. Sur ce, n'hésitez surtout pas à lancer des thumbs up, like, partager, commenter cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, laissez-moi dans les commentaires, je vais les voir, je vais y répondre. Et sur ce, on se revoit à la prochaine avec une prochaine vidéo.